Ensuite, Julio Schtroumpfo s'accroche au chandelier et arrache la belle princesse des mains de l'horrible sorcier. Raymond d'un coquelicot, on peut dire qu'il est schtroumpfement courageux. Ah ça oui, alors Il est schtroumpfant et séduisant. Oui, je trouve enfin, les petits schtroumpfs, qu'il y a longtemps que vous devriez être couchés, n'est-ce pas? Oui, mais schtroumpfs à lunettes. Il n'y a pas de schtroumpfs à lunettes qui tiennent, n'est-ce pas? Eh ben, bonne nuit, schtroumpfette. Merci pour cette histoire schtroumpfement jolie. Et faites de beaux schtroumpfs! Schtroumpf à lunettes, on ne t'a donc jamais appris à schtroumpfer avant d'entrer dans la chambre d'une jeune fille? N'est-ce pas? Julio Schtroumpfo, lui, il aurait jamais fait quelque chose de si déplaisant. Mais arrête, je t'en prie, schtroumpfette, un peu de sérieux, voyons. Julio Schtroumpfo, c'est un héros de schtroumpf dessiné, ça. C'est vraiment à mourir de schtroumpf, n'est-ce pas? Quel mal poli! Ah, Julio Schtroumpfo. Mais pourquoi les schtroumpfs, ils sont pas tous beaux et romantiques comme toi? Tiens, c'est vrai, si on y pense, pourquoi aucun schtroumpf ne peut-il être aussi charmant et romantique? Perdu, ma pauvre petite Péronnelle. Même Julio Schtroumpfo ne pourrait pas te sauver maintenant. Oré, je vais te sauver, Schtroumpfette. Julio Schtroumpfo. Non, c'est Julio Schtroumpfo. Je me suis encore fait ridiculiser. Oh, Julio Schtroumpfo. Oh non, c'était seulement un rêve. Le petit déjeuner est prêt, dépêchons les pages. Oh, c'est absolument pas schtroumpfant du tout. Je ne vois pas où je vais pouvoir m'asseoir. Et ensuite, le grand schtroumpf a dit, n'est-ce pas? Et attention, tu mets des miettes à ma place, attention, hein, quoi. Oh, c'est très galant de la part du schtroumpf costaud de me céder sa place. C'est très drôle, schtroumpfette. Schtroumpfette, pendant que vous êtes debout, n'est-ce pas, voudriez-vous me passer un peu de gâteau, n'est-ce pas? Ah, bien sûr, pendant que je suis debout. Oh non! Oh non, ma robe toute blanche! Ça, c'était vraiment très drôle, Schtroumpfette! Oh, ben, Schtroumpfette adore! Ça, c'était horrible! Oh, le Schtroumpf gourmand, lui, au moins, il compatit! Ah, ben oui, ça, c'est vraiment terrible, tu sais! C'était la dernière part! Oh, ça suffit comme ça! Vous devriez tous prendre exemple sur Julio Schtroumpfo pour la galanterie! Julio Schtroumpfo. Où est-ce que je dois signer pour prendre des leçons? Le Schtroumpf maladroit. Tu sais bien que c'est seulement un héros de Schtroumpf dessiné, n'est-ce pas? Oui. Et Schtroumpf alors, la Schtroumpfette avait l'air en colère, hein? Ah oui, il vaut mieux que j'aille lui remonter un petit peu le moral. Attendez, Schtroumpfette. Attendez, j'ai une surprise pour vous. Pour moi? Oh, mais c'est très gentil. Oh, Schtroumpf farceur, tu es vraiment le Schtroumpf le plus déplaisant de tout le village. Bah moi je voulais simplement vous remonter le moral. Encore une journée sinistre qui va s'achever. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est pas possible. Oh, Schtroumpf mio, il attend des séjours depuis si longtemps. Chère bleue et en os. Mais je rêve, c'est pas possible. Tu ne rêves pas, je suis aussi réel que les étoiles dans le ciel. Oh, Schtroumpf mio, qui attendait ces jours depuis si longtemps, mon cœur fait le beau. Quand on est à tes côtés, on a plus. C'est quoi ce vacarme? N'est-ce pas? Faire ça, Schtroumpf, c'est lui qui fait ce bruit. Et moi, silence! Mais qu'est-ce qui se trouve par ici, enfin? Des problèmes? Oh, Schtroumpf, mais oh là! Mais c'est... Je perds la Schtroumpf ou quoi? Regardez donc!
Ma, et le spectacle est terminé pour l'instant. À une prochaine fois, ma belle schtroumpfettina. Mais attends. Oh, il est vraiment merveilleux. Mais qui c'était ce schtroumpf là avec ce déguisement complètement schtroumpf? C'est... Comment? Quoi? Qui c'était? Mais c'était le grand, le beau, le seul et unique Julio Schtroumpf. Mais c'est pas possible, Julio Schtroumpf est un héros de chambre dessinée, n'est-ce pas? Ah, tu es jaloux, Schtroumpf à lunettes. Je vois pas pourquoi il serait jaloux, enfin. Parce que Julio Schtroumpf, il est le plus beau, le plus grand, le plus merveilleux de tous les Schtroumpfs de la Terre. Et sur ce, bonne nuit. Pourquoi il est plus beau, bien ridiculisé. Moi, je vous le dis, je trouve que la Schtroumpfette passe beaucoup trop de temps avec ce Julio Schtroumpf. Voilà. Elle n'est plus disponible pour manger. Oh, la voilà. Et elle est encore avec son beau séducteur. Le Schtroumpf un peu, beaucoup à la folie. Schtroumpfette, venez avec nous. Excuse-moi, Schtroumpf à lunettes, mais je suis déjà avec Julio Schtroumpf. Mais enfin, qu'est-ce qu'il a de plus schtroumpfant que moi, celui Schtroumpf? Permettez-moi, Yoli Schtroumpfette. Cette main, elle n'est pas faite pour l'effort. Mais c'est trop gentil, mon fait rougir. Vous voulez voir mes biceps? Je parie qu'ils sont plus gros que ceux du Schtroumpfroulio. Oh, Schtroumpfcosto, quelle grossièreté! Hé, Schtroumpfette! Je vous ai Schtroumpfé ou Flore! Je suis là, vous Schtroumpfette. Permettez-moi, Schtroumpf à lunettes, de vous aider, cher Schtroumpfette, n'est-ce pas? Mais dites donc, je peux savoir ce qu'il y a de si drôle, n'est-ce pas? Toi, tu es d'un ridicule! Je croyais que vous aimeriez cette tenue. Non, mais tu oublies que ce n'est pas l'habit qui fait le Schtroumpf, ni les muscles non plus. Il n'y a qu'un seul Julio Schtroumpfo. Il n'est pas si Schtroumpf que ça, finalement. Pas si Schtroumpf que ça. C'est le Schtroumpf le plus courageux de toute l'histoire des Schtroumpfs. Ça, ce ne sont que les Schtroumpfs dessinés, ça. S'il est si courageux que ça, eh bien qu'il le prouve. Hein? Demande-lui de rapporter un poil de la moustache d'Azrael. Alors, hein? Mais quoi? Oui, mais excellente idée, Schtroumpf, n'est-ce pas? Mais il m'étonnerait qu'il y parvince. Le beau Schtroumpfo ferait n'importe quoi pour moi. Ah bah, Schtroumpfo, le beau Schtroumpfo, tu ferais n'importe quoi pour la Schtroumpfette, dit. Bien entendu, oui. Est-ce que je n'ai pas raison, mon beau Schtroumpfo? Qu'est-ce qui t'arrive, mon grand Schtroumpfo? T'as donné ta langue au Schtroumpfo? Rendez-vous ce soir près du grand chêne. Et là, vous me donnerez un poil de la moustache d'Azrael. Bien sûr, pour un poil, c'est comme si c'était fait. Oh, ça risque de ne pas être drôle du tout. Ah, maintenant, je te tiens, misérable nabo bleu, hein. Ah, ces trucs de héros, c'est bon pour les enfants. Bon, j'ai trop petit. C'est bon là qu'on aimerait être un héros de Schtroumpf dessiné. Oh, Schtroumpf mio, la 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 la. Ah, le beau Schtroumpf ne va plus tarder. Et je montrerai au Schtroumpf costaud qui est le plus Schtroumpf du monde. Non, il vaut mieux que je me cache. Seulement le beau Schtroumpf était là pour me sauver. Au secours! Schtroumpf! Mais c'est pas possible! Au secours! Au secours! Mais c'est monstrueux! Au secours! Il est beau le chariot! T'as jamais vu le Schtroumpf dessiné? On en parle de mes exploits, non? Il faut absolument que je le sauve! J'arrive, mon beau Schtroumpf! Je crois qu'il vaut mieux pas rester ici. Je crois qu'on a eu un coup de chance. Je crois qu'on a eu un grand coup de chance. Quoi? C'est toi, Schtroumpfarcel?
Ah non, 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 je suis le seul et unico, el beau Julio Schtroumpf. Non, c'est pas vrai. Tu es le Schtroumpf farceur. Moi, oui, mais c'est pas la peine, je suis pas un héros. Sincèrement, Schtroumpf farceur, comment as-tu pu? Je crois que t'es drôlement en colère après moi parce que j'ai joué les Schtroumpfs. Bon, après toutes les choses charmantes et romantiques que tu as faites pour moi, eh ben, je suis pas trop en colère, Julio Schtroumpf farceur. Et puis tu m'as montré qu'il y avait un peu de Julio Schtroumpf dans chaque Schtroumpf. C'est vrai? Ah ben alors c'est moi qui suis le dindon de la Schtroumpf. Ah, finalement, ben, je suis bien content que cette histoire de Julio Schtroumpf soit finie. Je me demande bien ce qui se passe. Et après, il m'a donné ce poil de moustache de chat. Oh, oh non, d'une violette, je peux le voir. Moi aussi, Schtroumpfette, je veux le voir. Montre. Oh, Schtroumpfette, où il est passé le beau Julio Schtroumpf? Le beau Julio Schtroumpf? Eh bien, il a dû partir vers de nouvelles aventures. Mais il reviendra peut-être un jour. Et vous savez ce que c'est? Un héros n'a jamais le temps de s'arrêter. N'est-ce pas, Schtroumpf farceur? Schtroumpfette, vous êtes vraiment une fille au poil.